moi ça va super. Aujourd'hui, je vais faire ma femme pasteur. Non, sans blague. En effet, vous entendez souvent des pasteurs qui disent ne couchez pas avant le mariage, ça vous prend de l'énergie, vous attirez de la mauvaise énergie, vous fermez des portes, etc., etc. Là, c'est dit d'une manière spirituelle, mais lorsqu'on analyse d'un point de vue sociologique, c'est un conseil qui est extrêmement pertinent et pour cause. Parce que comme je vous l'ai expliqué, si vous avez l'occasion de regarder mes précédentes vidéos basées sur le travail du professeur de Paris Première, Jean-Pierre Amadieu, qui est un sociologue et un spécialiste en gestion des ressources humaines, les femmes magnifiques qui ont conscience que leur beauté est au-dessus de la moyenne et qui veulent se positionner avec des hommes riches, beaux, avec un statut social élevé, ont parfaitement conscience qu'il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Elles préservent ça parce que, un, ça t'évite d'attraper des maladies, des MST, des maladies bizarres, d'avoir des grossesses multiples, hein, et de te faire avorter à pléthore, ce qui va fatiguer ton corps, ce qui va t'épuiser, ce qui va vraiment altérer beaucoup de choses. Elles préfèrent se préserver pour le jackpot. En effet, elles préfèrent préserver tout ça, tout leur physique, toute leur beauté, tout ce capital pour un homme qui a les milieux, enfin, a le statut social nécessaire pour le monnayer. Ça peut paraître horrible ce que l'on vous dit, mais comme le dit les sociologues, le capital beauté, eh bien, c'est quelque chose qui se monnaie. Eh oui, le mariage, c'est quelque chose qui se monnaie. C'est avant que ça soit l'amour, gloire et beauté. Non, je plaisante. C'est avant tout un contrat, une transaction. L'objectif, et c'était comme ça depuis la nuit des temps, c'est de s'élever de préférence socialement. Et il y a un échange de contrat, famille riche avec famille riche. Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que je t'apporte? Quand on ne vient pas d'un milieu riche, eh bien, il est primordial de rapporter son capital beauté. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos précédentes, ça rapporte à l'homme, en plus de votre jeunesse, votre fertilité, hein, une vision positive de lui par rapport à la société, à savoir ça le rend beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sympathique, ça augmente son attractivité, sa position, ça renvoie beaucoup de choses positives. Il faut pas croire que votre beauté est vaine, ça n'a pas de sens. Non, tout a du sens, croyez-moi. Et votre beauté a du sens. Donc, essayez d'investir dans votre dot scolaire. La dot scolaire, il n'y a que vous-même qui pouvez le constituer en vous efforçant d'avoir des bonnes notes à l'école, d'avoir un minimum un diplôme, BTS, bachelor, plus si vous voulez. Des langues, c'est toujours mieux. Si vous voulez vous élever dans la société, ça ouvre plein de portes et des meilleurs jobs. Et ainsi, si vous investissez dans votre capital beauté, parce que vous avez conscience que ça va vous permettre d'avoir accès à ce que vous désirez, à ces personnes-là, vous allez vous positionner et vous allez obtenir votre homme alpha, votre homme avec votre statut social élevé. Mais il faut avoir conscience que ce n'est pas facile. Enfin, c'est pas que c'est pas facile, mais c'est que rien n'est gratuit dans la vie. Il faut travailler dur, il faut se fixer des objectifs, il faut avoir une certaine discipline, une certaine exigence, et vous allez atteindre votre objectif, tout simplement. Donc, ne couchez pas avec n'importe qui, n'importe comment. Faites vos espérances en étant raisonnable, vraiment. Je ne vais pas vous dire combien de partenaires, mais n'abusez pas là-dessus. Préservez-vous un maximum. Vous devez être fraîche. Vous ne devez pas être usé à l'arrivée, hein, avec plein de maladies d'MST, toujours sous antibiotiques, chlamydia, chlamydie, etc. Après, vous pouvez plus concevoir d'enfants parce que y a plein eu de problèmes, etc. Pilules, je sais pas quoi, qui vous posent plein de problèmes de fertilité, plein de problèmes de santé, ça altère votre beauté, etc. Non. Essayez de vous préserver un maximum sexuellement et essayez de donner, en tout cas, ce qu'il y a de meilleur au niveau sexuel, beauté à un homme qui pourra vous le redonner de manière équivalente, à savoir qui pourra vous élever socialement. C'est comme ça que marche le game et c'est ce qui est dit dans ce bouquin. C'est pas moi qui l'ai inventé. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je l'ai juste compris. Je vous le dis juste. C'est comme ça depuis la nuit des temps en fait. Et n'écoutez pas les hommes qui essaient de vous faire comprendre que c'est des matérialistes, que ce que vous faites c'est horrible. C'est pas vrai. En fait, c'est la meilleure stratégie qu'une femme puisse faire dans sa vie. Parce que même si vous vous positionnez au niveau de professionnellement, j'ose espérer que vous voudriez fonder une famille, avoir un partenaire de vie, finir votre vie avec quelqu'un, au moins en tout cas. Et dans ce cas-là, vous voudrez être avec quand même quelqu'un d'intéressant, au même niveau que vous, plus ou moins, ou si ce n'est plus, pour vivre quand même un mariage pérenne dans la durée. Parce que comme il a été aussi expliqué, plus la beauté est équivalente au niveau des partenaires, plus le mariage a des chances de durer. Plus il est trop inégal, moins le mariage a de chances de durer. Il y a aussi la version que si l'homme a une situation financière intéressante, beaucoup plus importante que la femme, et la sécurise suffisamment, le mariage aussi a plus de chances de durer.
L'inverse n'est pas vrai, hélas. Si le mari est plus beau que la femme moins belle, le mariage risque d'être victime de beaucoup de trahisons et d'infidélités. S'il y a de l'hypogamie, à savoir la femme gagne plus que l'homme, c'est le même résultat, ça risque de ne pas aller très loin, et en plus ça risque de devenir précaire, plus une très grande difficulté à s'élever sur le plan professionnel et à établir un réseau sur le plan relationnel. Voilà. Mais bon, après, j'ai expliqué tout ça dans les précédentes vidéos. Essayez de prendre le temps de les écouter. Bien sûr, si vous ne comprenez pas certains points, n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai de vous aider au mieux, hein, en fonction de ce que moi j'ai compris et de mon expérience. Et sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.